S'ajoute au drame principal les larmes, les changements de ton du pathétique au burlesque et l'usage raisonnable des invraisemblances. Il est juste que le dramaturge se serve de tous les mirages dont tu disposes, comme faisait Morgan sur le mont Gival. Il est juste qu'il fasse parler les foules, les objets inanimés s'il lui plaît, et qu'ils ne tiennent pas plus compte du temps que de l'espace. Son univers et sa pièce, à l'intérieur de laquelle il est le dieu créateur qui dispose à son gré les sons, les gestes, les couleurs pour faire surgir la vie même dans toute sa vérité. Doit être un univers complet avec son créateur. Pardonnez-moi, cher public, de vous avoir parlé un peu.
assez longtemps que les hommes font ce qui leur plaît. Après tout, je veux aussi aller me battre contre les ennemis. J'ai envie d'être soldat et de hunde. Je veux faire la guerre et non pas faire des enfants. Non, monsieur mon mari, vous ne me commanderez plus. Ce n'est pas parce que vous m'avez fait la cour dans le Connecticut, dans le Connecticut, que je dois vous faire la cuisine à Saint-Simon. Donnez-moi du lard, je te dis, donnez-moi du lard. Vous l'entendez, elle ne pense qu'à l'amour. Mais tu ne te doutes pas, imbécile, qu'après avoir été soldat, je veux être artiste, je veux être aussi député, avocat, sénateur, ministre, président de la chose publique. Et je veux un médecin physique ou bien psychique, diaphoreur, amoureux, l'Europe et l'Amérique, faire des enfants, faire la cuisine. Non, c'est trop. Je veux être mathématicienne, groom dans les restaurants, petit télégraphiste. Et je veux, s'il me plaît, entretenir à long cette vieille danseuse qui a tant de talent. Donnez-moi du lard, je te dis, donnez-moi du lard. Vous l'entendez, il ne pense qu'à l'amour. Mais il me semble que la barbe me pousse, ma poitrine se détache. Ah, 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 ah. Ma femme. Quel malotru a mis ses vêtements? Aucun doute, c'est un assassin, il l'a tué. T'es
Thérèse, 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 ma petite Thérèse. Où es-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu, Thérèse, 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 ma petite Thérèse. Où es-tu, où es-tu? Mais toi, vil personnage, qui t'es déguisé comme Thérèse, je te tuerai. Piano. Oh, le violon. La situation devient grave. J'ai perdu aux Zanzibes, j'ai perdu aux Zanzibes tout ce que j'ai voulu. Monsieur Presto, je n'ai rien gagné, rien gagné, rien gagné. Et d'abord Zanzibar, Zanzibar n'est pas en question. Vous êtes à Paris. À Zanzibar, à Paris. C'en est trop, après 10 ans d'amitié. Et tout le mal que je n'ai cessé de lire sur votre compte. Tant pis, vous ai-je demandé de la réclame. Vous êtes à Paris. À Zanzibar, la preuve c'est que j'ai tout perdu. Monsieur Presto, il faut nous battre. Il le faut. Monsieur Presto, il faut nous battre. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Avec vous de la couffe, j'ai perdu aux Zanzibar. J'ai perdu aux Zanzibar tout ce que j'ai voulu. Monsieur Presto, je n'ai rien gagné, rien gagné, rien gagné. Et d'abord Zanzibar, Zanzibar n'est pas en question. Vous êtes à Paris. À Zanzibar, à Paris. C'en est trop, après 10 ans d'amitié. Et tout le mal que je n'ai cessé de lire sur votre compte. Tant pis, vous ai-je demandé de la réclame. Vous êtes à Paris. À Zanzibar, la preuve c'est que j'ai tout perdu. Monsieur Presto, il faut nous battre. Il le faut. Monsieur Presto, il faut nous battre. Il le faut. Il le faut. Il le faut. À l'escale, à volonté. Tous les coups sont dans la nature. Chère liberté, te voilà enfin conquise. Mais d'abord achetons ce journal. Mais d'abord achetons ce journal. Pour savoir, pour savoir, pour savoir, pour savoir ce qui vient de se passer. Peace.
vaudrait peut-être mieux s'en aller. Ça sent le crime ici. Voici un agent de l'autorité zanzibarienne. Je veux l'interpeller. Je veux l'interpeller. Et monsieur, si c'est une affaire que vous me cherchez, ayez donc l'obligeance de prendre vrai militaire dans ma poche gauche. La belle fille, oh, la belle fille. Qui donc, ma belle enfant, qui donc vous a traité, qui donc vous a traité, traité si méchamment? Il me prend pour une demoiselle. Il me prend pour une demoiselle, ce gendarme est un peu. Dites, ma belle enfant, qui donc vous a traité, qui donc vous a traité, traité si méchamment? Il me prend pour une demoiselle, il me prend pour une demoiselle, si c'est un mariage, et de me chercher. Commencez donc par me détacher. Si c'est un mariage que vous me cherchez, commencez donc par me détacher. Les duellistes du paysage ne m'empêcheront pas de dire que je vous trouve agréable. Agréable au toucher comme une balle en caoutchouc. Achou! Un rhume c'est exquis. Achou! Femme légère. Ma foi, il a raison. Ma foi, il a raison. Puisque ma femme est homme, il est juste que je sois femme. Dites, ma belle enfant, qui donc vous a traité, traité si méchamment? Je suis une honnête femme, monsieur. Ma femme est un homme, madame. Elle est soldat, télégraphiste, ministre, maire de Saint-Mé, comme ils ont fait explosion, disons plutôt maire de Sine. Maire de Sine, elle est maire des signes. Oh, combien chante qui vont périr. Écoutez. Vive le général qui est là, vive le député qui est là, et fumer la pipe bergère, moi je vous jouerai du pipeau. Et cependant la boulangère, tous les 7 ans change de peau. Tous les 7 ans elle exagère. Tous les 7 ans elle exagère. Et fumer la pipe bergère, moi je vous jouerai du pipeau. Et cependant la boulangère, mademoiselle, je suis amoureux fou de vous. Achou, achou. Et je veux devenir votre époux. Mais ne voyez-vous pas que je suis un homme? Vous feriez mieux de faire des enfants. Par exemple, femme représentant de toute autorité, vous l'entendez, c'est dit, je crois avec clarté, la femme à Zanzibar veut des droits.
La nature vous donnera sa femme une progéniture. Je reviendrai ce soir voir comment la nature vous donnera sa femme une progéniture. Ne faites pas qu'en vain, il croque le marmot. Il reviendra ce soir et vous prendra au mot. Ne faites pas qu'en vain, il croque le marmot. Il reviendra ce soir et vous prendra au mot. Comme est ignare le gendarme qui gouverne le Zanzibar, le musicole et le gros bar. Le musicole et le gros bar. N'ont-ils pas pour lui plus de charme? N'ont-ils pas pour lui plus de charme? Cœur à peupler le Zanzibar. Comme est ignare le gendarme qui gouverne le Zanzibar, le musical et le grand bar. N'ont-ils pas pour lui plus de charme? N'ont-ils pas pour lui plus de charme? Que peupler le Zanzibar. Comment faut-il que tu les nommes? Elles sont tout ce que nous sommes. Et ces ballons ne sont pas hommes. Et ces ballons ne sont pas hommes. Nous reviendrons ce soir voir comment la nature donnera sans femme une progéniture. Revenez dès ce soir voir comment la nature me donnera sans femme une progéniture. Ce soir, voir comment la nature vous donnera sans femme une progéniture. Des fumées d'appel et de perchère. Moi je vous jouerai du pipeau. Et ça va dans la boulangère, et ça va dans la boulangère. Et c'est en changer de peau, et c'est en changer de peau. Et fumer la pipe de perchère. Moi je vous jouerai.
cependant la boulangère tous les étangs chargés de peau. Et cependant, la boulangère, tous les 7 ans, changeait de peau. Tous les 7 ans, elle exagère. Tous les 7 ans, elle exagère. Et cependant, la boulangère, tous les 7 ans, changeait de peau. Et cependant, la boulangère, 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 cependant, changeait de peau. Tous les 7 ans, elle exagère. C'est fou les joies de la paternité. 40 049 enfants en un seul jour. 40 049 enfants en un seul jour. Mon bonheur est complet, mon bonheur est complet. Silence, 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 silence. Silence, 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 silence. Le bonheur en famille, pas de femme sur les bras. Le bonheur en famille, pas de femme sur les bras. Pas de femme, pas de femme, pas de femme sur les bras. Silence, 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 silence. Silence, 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 silence. Il faudrait peut-être les mener à la baguette, mais il vaut mieux ne pas brusquer les choses. Je vais leur acheter des bicyclettes, et tous ces bientôt, et tous ces bientôt iront faire des concerts en plein air. Silence, 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 silence. Bravo, 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 bravo. Entrez. Entrez. Bonjour, monsieur le mari. Je suis correspondant d'un journal de Paris. De Paris, soyez le bienvenu. Les journaux de Paris
pluies ont annoncé que vous avez trouvé le moyen pour les hommes de faire des enfants. Cela est vrai. Et comment ça? La volonté, monsieur, elle nous mène à tout. Sont-ils nègres ou comme tout le monde? Tout cela dépend du point de vue où l'on se place. Vous êtes riche sans doute. Point du tout, point du tout. Alors, comment les élèverez-vous? Après les avoir nourris au biberon, j'espère que ce sont eux qui me nourriront. En somme, vous êtes quelque chose comme une fille père. Ne serait-ce pas chez vous l'instinct paternel maternisé? Cher monsieur, tout à fait intéressé. L'enfant est la richesse des ménages, bien plus que la monnaie et tous les héritages. Voyez ce tout petit qui dort dans son berceau. Il se prénomme Arthur et m'a déjà gagné 1 million comme accapareur de lait. Avancez pour son âge. Ce village Joseph est romancier. Son dernier roman s'est vendu à 600 000 exemplaires. S'appelait Cambron. Une dame qui s'appelait Cambron. Il y a cependant là une manière polie de s'exprimer, une certaine précocité qui ne court point les rues. Enfin, tel qu'il est, ce roman m'a rapporté plus de 200 000. Hop. Mais n'avez-vous pas de fille? Si fait, celle-ci, plus artiste que quiconque à Zanzibar, récite des beaux vers par les mornes soirées, ses feux et ses cachets. Poète gagne en 50 000 ans, ce qu'un poète gagne en 50 000 ans. Je vous félicite, my dear, mais vous avez de la poussière sur votre cache. Que vous êtes si riche, prêtez-moi 100 sous. Remettez la poussière. Remettez la poussière. Eh oui, c'est simple comme un périscope. Plus j'aurai d'enfants, plus je serai riche et mieux je pourrai me nourrir. Nous disons que la morue produit assez d'œufs en un jour pour qu'éclos il suffise à nourrir de brandade et d'aïoli le monde entier pendant une année entière. N'est-ce pas que c'est épatant d'avoir une nombreuse famille? Mais quels sont donc ces économistes imbéciles qui nous ont fait croire que l'enfance était la pauvreté, tandis que c'est tout le contraire? Est-ce qu'on a jamais entendu parler de morue morte dans la misère? Aussi vais-je continuer à faire des enfants. Faisons d'abord un journaliste. Comme ça, je saurai tout. Je devinerai le surplus et j'inventerai le reste. Il faut qu'il soit apte à toutes les besognes et puisse écrire pour tous les partis. Quel beau journaliste ce sera. Reportage, article de fond, etc. Et il faut un sang puisé dans l'encrier. Une épine
dorsale, de la cervelle pour ne pas penser, une langue pour mieux baver. Il faut encore qu'ils connaissent le chant. Cher papa, si vous voulez savoir enfin tout ce qu'ont fait les aigres fins, faut me donner un petit peu d'argent de poche. Si vous me donnez 500 francs, je ne dis rien de vos affaires, sinon je dis tout, je suis franc, et je comprends mes pères, sœurs et frères. J'écrirai que vous avez épousé une femme triplement enceinte. Je vous compromettrai, je dirai que vous avez volé, tué, donné, sonné, barbé. Bravo, bravo, voilà remède. Mes chers parents, en un seul homme, si vous voulez savoir ce qui s'est passé hier soir, voici. Un grand incendie a détruit les chutes du Niagara. Le beau constructeur Alcindor, masqué comme les fantassins, jusqu'à minuit jouait du cor pour un parterre d'assassins. Et je suis sûr qu'il sonne encore, pourvu que ce ne soit pas dans cette salle. Mais la princesse de Bergame épouse demain une dame, simple rencontre de maîtresse. Que je connais ces gens-là, je veux de bonnes informations qui me parlent de mes amis. On apprend de Montrouge que Monsieur Picasso fait un tableau qui bouge, ainsi que ce berceau. Et vive le pinceau de l'ami Picasso. Oh mon fils, à une autre fois, je connais maintenant suffisamment la journée d'hier. Je m'en vais afin d'imaginer celle de demain. Bon voyage! Celui-ci n'est pas réussi. J'ai envie de le déshériter. Pas de bouches inutiles. Économisons. Économisons. Avant tout, je vais faire un enfant tailleur. Je pourrais bien vêtu aller en promenade, et n'étant pas trop mal de ma personne, plaire à maintes jolies personnes. Il paraît que vous en faites de belles, vous avez tenu parole. 40 050 en feront un jour, vous secouez le pot de chaleur. Je m'enrichis. Mais la population zanzibarienne, affamée par ce surpoids de bouches à nourrir, est en passe de mourir de faim. Donnez-lui des cartes, ça remplace tout. Où se les procure-t-on? Chez la carte au ciel, parbleu, puisqu'il s'agit de prévoyance.
Vous n'ignorez pas, madame, que vous exercez un métier illicite. C'est étonnant ce que font les gens pour ne pas travailler. Pas de scandale chez moi. Monsieur, prochainement, vous accouchez de trois jumeaux. Déjà la concurrence. Madame la garde, monsieur, je crois qu'il vous trouve. Conservez-le dans la marmite norvégienne. Artificielle. Seriez-vous le coiffeur? Coupez-moi les cheveux. Les demoiselles de New York ne cueillent que les mirabelles, ne mangent que du champignon. C'est là ce qui les rend si belles. Ma foi, les dames de Paris sont bien plus belles que les autres. Si les chats aiment les souris, mesdames, nous aimons les vôtres. C'est-à-dire vos souris? Et matin et soir, grattez-vous si ça vous démange. Et mille blancs ou bien le noir, c'est bien plus drôle de quand ça change. Suffit, suffit de s'en apercevoir. J'ai pensé que vous ne seriez pas fâchés de savoir la bonne aventure. Et la pensée. Zanzibar, je vous arrête. Toucher une femme, quelle honte! Mais fumez la pipe, bergère, moi je vous jouerai du pipeau. Et cependant, la boulangère, tous les 7 ans, changez de peau. Tous les 7 ans, elle exagère. En attendant, je vais vous livrer au commissaire assassine. Comme une punaise. Que porte vieux cueillir la fraise avec la fleur du bananier? Chassons à la Zanzibaraise les éléphants et viens régner sur le grand cœur de ta Thérèse. Thérèse. Pour
chanter matin et soir. Et puis chanter matin et soir. Et puis chanter matin et soir. Grattez-vous si ça vous démange. Il est blanc, il est noir. Ce qui est plus drôle de con, ça change. Ce qui ne sait pas se voir. Grattez-vous si ça vous démange. Il est blanc, il est noir. Ce qui est plus drôle de con, ça change. Ce qui ne sait pas se voir. Et puis chantez matin et soir. Grattez-vous si ça vous démange. Et puis chantez matin et soir. Écoutez aux Français les leçons de la cœur et faites des enfants. Qui n'en faisiez guère. Des enfants, des enfants, des enfants. Cher public, faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère, vous qui n'en faisiez plus. Cher public, faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère, vous qui n'en faisiez plus. Vieux gendarmes, faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère, vous qui n'en faisiez plus. Grattez-vous, si ça vous démange. Et alors, vous viendrez voir. Et puis chantez le matin et le soir. Écoutez aux Français les leçons de la guerre et faites des enfants, vous qui n'en faisiez guère. Des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Grattez-vous si ça vous démange, et mettez le noir ou bien le blanc. Grattez-vous si ça vous démange, et mettez le noir ou bien le blanc. C'est bien plus drôle quand ça change. C'est bien plus drôle quand ça change. Suffit, suffit, suffit de s'en apercevoir.